Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe de ce matin est offerte pour le repos de l'âme de M. Claude Leblanc. Et l'Église nous invite aussi aujourd'hui à une journée de prière pour la sauvegarde de la création. C'est notre pape François qui nous invite à prier ensemble pour que notre monde soit plus attentif à la sauvegarde de ce monde en péril. Prenons donc cette journée comme un temps de prière et un temps où on s'engage à travailler de plus en plus pour la sauvegarde de cette belle terre, de ce don de Dieu, cette maison commune que le Seigneur nous a donnée. Au début de cette célébration, prenons un moment pour reconnaître notre condition de pécheur et demandons pardon pour nos fautes. Seigneur Jésus, Fils du Dieu de la noce, pour que nous puissions célébrer la fête de ton royaume, prends pitié de nous. Ô Christ, don de Dieu par excellence, pour que nous sachions te rendre grâce, prends pitié de nous. Seigneur, Fils du Dieu vivant, pour que nos cœurs soient habillés de fête, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste, aide-nous à l'accomplir. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. La volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté en vous abstenant de la débauche, et en veillant chacun à rester maître de son corps dans un esprit de sainteté et de respect, sans vous laisser entraîner par la convoitise comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dans ce domaine, il ne faut pas agir au détriment de son frère ni lui causer du tort, car de tout cela le Seigneur fait justice, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu nous a appelés, non pas pour que nous restions dans l'impureté, mais pour que nous vivions dans la sainteté. Ainsi donc, celui qui rejette mes instructions, ce n'est pas un homme qu'il rejette, c'est Dieu lui-même, lui qui vous donne son Esprit Saint. Parole du Seigneur. Soit votre joie.
comme sire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Amis du Seigneur, qu'il soit. Seigneur, sois votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Ami du Seigneur, qu'il soit votre Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes. Et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri, « Voici l'époux, sortez à la rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. Les insouciants demandèrent aux prévoyantes, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent, jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez le marchand, vous en achetez. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, frères et sœurs, Jésus parle très souvent du royaume, sans pourtant être capable de nous décrire cette réalité qui, au fond, défie toute description. Il cherche donc à expliquer cette réalité à partir d'une multitude d'images, de paraboles, des situations familières à ses auditeurs qui illustrent son propos. L'homme qui part pour ensemencer son champ, le temps de la récolte, les pêcheurs qui vont à la pêche. La scène qu'il décrit aujourd'hui est une de ces scènes familières, peut-être pas pour nous, gens d'aujourd'hui, mais certainement pour ses auditeurs. Cette image est un peu étrange, mais pour les gens du temps, on voyait souvent ces cortèges. En effet, lors des mariages en Palestine, dans un premier temps, la fiancée se rend à la maison du père de sa fiancée
pour amener celle-ci chez lui. Le délai pendant lequel les jeunes filles s'endorment dépend de la longue discussion entre les deux familles à propos des cadeaux, de la dot. Quand tout ça est terminé, finalement, on dit aux mariés, « Voilà, tout est prêt, on peut partir. » Et évidemment, dans une époque où on n'a pas moyen de communication, on ne peut pas envoyer un texto pour dire, « On vient de partir, attendez-nous. » Alors, il faut attendre patiemment. Alors, c'est ces filles qui sont les personnes qui vont accompagner le marié à aller vers la mariée. Elles sont là à attendre. Elles ont pour fonction d'éclairer le cortège quand la fiancée, avec ses amis, viennent prendre la fiancée. Il faut donc de l'huile pour renouveler le feu des torches durant le trajet et durant les festivités qui vont suivre chez le marié. Pour nous parler de cette ultime rencontre avec le Seigneur à la fin de la vie, pour indiquer l'importance d'être toujours prêt pour cette rencontre, Jésus utilise ce contexte d'un événement joyeux. Cette rencontre avec le Seigneur se fait dans le cadre d'un événement joyeux, de la noce. La noce, c'est un moment de fête et surtout un moment pour célébrer l'amour de deux personnes qui unissent leur destinée. Dans la perspective biblique, nous pouvons y voir aussi une autre dimension. Dieu est présenté comme l'époux qui vient rencontrer son épouse. Donc, l'importance d'être prêt pour cette rencontre entre Dieu et son peuple, cette alliance entre Dieu et son peuple, alliance dans l'amour. Jésus, le Messie envoyé de Dieu, c'est symboliquement l'époux qui vient à notre rencontre, à la fin de notre pèlerinage sur la terre, pour les fêtes, pour la noce, pour cette rencontre festive avec le Dieu d'amour. Ainsi, il nous invite à voir cette rencontre dans ce cadre joyeux. La préparation pour un tel événement doit donc se faire comme on prépare pour une fête, dans la joie. C'est ainsi qu'on doit se préparer à la rencontre du Seigneur. Mais cette préparation exige tout de même un effort. Il faut être prêt pour la fête. Il faut s'être préparé pour fêter. Dans sa lettre aux Thessaloniciens qu'on a dans la première lecture, Paul rappelle à la communauté que cet appel à être frais, c'est un appel à vivre comme des saints, en demeurant toujours fidèle à la volonté de Dieu. Il dit, « Il faut vous conduire pour plaire à Dieu. » Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà, puisqu'il parle à des chrétiens engagés. Faites donc de nouveaux progrès. On peut toujours aller plus loin en nous préparant à cette fête. La volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté. Il y a donc un lien entre cette préparation dont nous parle l'Évangile et cette invitation de Paul à la communauté chrétienne. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez fidèles à sa volonté, que vous viviez dans la sainteté. Frères et sœurs, beaucoup de choses dans notre vie viennent pourtant accaparer notre attention et peut-être nous distraire parfois de l'essentiel. Il est facile de ne plus voir ce qui est le plus important. Notre effort pour demeurer fidèle à la suite du Seigneur. C'est pour cela que dans les traditions monastiques, par exemple, il y avait à chaque jour un temps où les moines s'arrêtent au milieu du jour pour regarder où en sommes-nous aujourd'hui dans notre fidélité à suivre le Seigneur. Et bien sûr, pas toujours facile dans les temps bousculés de notre vie de nous arrêter ainsi. Mais il me semble que c'est idéal de prendre du temps à chaque jour pour regarder où nous en sommes, regarder si nous avons encore de l'huile dans notre lampe, si notre flamme est encore brillante pour être la lumière du Seigneur qui brille dans ce monde. Prendre le temps, regarder à chaque jour où nous en sommes. Donc, pour utiliser l'image de l'Évangile, regardez où nous en sommes, regardez si nous avons toujours l'huile pour que notre lampe brille.
Ce qui importe, c'est de trouver les moyens de demeurer toujours attentif, éveillé, tout au long du chemin, attentif à cet appel ultime à la rencontre de l'époux qui vient nous inviter à entrer dans la joie de son Père. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, nous voulons te servir. Regarde notre offrande, qu'elle soit agréable à tes yeux et nous obtienne un accroissement de charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Thomas, Alain, et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie et la Bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la gloire, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Prends pitié de nous. Agneau.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À cette journée de prière pour la sauvegarde de la création, je vous invite à prendre dans le feuillet que vous avez trouvé probablement à l'entrée, la prière chrétienne avec la création. Nous allons réciter ensemble les trois premières invocations, donc au Père, au Fils et à l'Esprit, et je conclurai la prière. Tous ensemble, nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, qui sont sorties de ta main puissante. Elles sont tiennes et sont remplies de ta présence comme de ta tendresse. Loué sois-tu. Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont été créées par toi. Tu t'es formé dans le sein maternel de Marie. Tu as fait partie de cette terre et tu as regardé ce monde avec des yeux humains.
Aujourd'hui, tu es vivant en chaque créature avec ta gloire de se ressusciter. Loué sois-tu. Esprit Saint, qui par ta lumière oriente ce monde vers l'amour du Père et accompagne les gémissements de la création, tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien. Loué sois-tu. Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière pour protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur, pour que vienne ton règne de justice, de paix, d'amour et de beauté, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui veut notre guérison, agis en nous par cette Eucharistie, libère-nous de nos penchants mauvais, oriente notre vie vers le bien, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que Saint-Joseph et Saint-Frère André vous accompagnent. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Amen.